Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lolo Boyard, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de Tuto Suiva, le Fort Boyard. Alors tout d'abord, avant de commencer, eh bien, je vais vous montrer la petite plateforme que j'ai faite derrière moi. La petite plateforme pour le saut intérieur, avant c'était ça, ou même pour le funambule. Eh bien voilà, alors juste faites très attention parce que si vous ouvrez une trappe, c'est la mort. Hein. Voilà, je vous le dis. Et puis comme ça, je vais vous montrer un petit jump. Hop, voilà, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc, alors je vais d'abord la fermer, je vais me mettre là, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est avec des escaliers en chaîne noire, ensuite des blocs, des dalles et puis une petite trappe. En plus, voilà, pour faire un petit peu une genre de petite plateforme. Non, c'est le touche. Pour eh bien que ça puisse tenir. Voilà. Bien, alors aujourd'hui, il nous reste la terrasse. Donc il nous reste les petites plateformes surélevées. Voilà. Donc on a aussi la végie et on a aussi le petit décor qu'il y a tout au fond. Du fort. On va commencer. Alors, qu'est-ce que je vais commencer? On va commencer avec les petites plateformes. Donc, on va déjà tout d'abord se mettre devant la vigie, devant l'emplacement de la vigie, puisqu'elle n'a pas été construite déjà. Donc, je vais vous faire seulement ce côté-là, avec la plateforme hélicoptère. Comme ça, au moins, ce sera réglé. Je ferai l'autre côté bien sûr en accéléré. Donc déjà tout d'abord on va mettre des dalles, voilà, comme ceci. On va laisser deux d'espace au milieu et on va compter 9 d'espace. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. Ben voilà, c'est parfait, j'ai pas compté mais bon, voilà. Et on va bien sûr faire de l'autre côté. Alors je préfère prendre des dalles parce que les escaliers c'est pour les petits forts. Les dalles, au moins, c'est pour des grands forts, donc au moins, c'est très très bien. Ensuite, on va mettre un bloc à côté et on va faire là aussi. Et puis, on va faire un petit arrondi de 4, suivi de 3 et 2 fois 3 blocs. 1, 2, 3. Ensuite, ça va être. Oui, j'en ai bien 3. Ensuite, ça va être une diagonale de 6. 1. 5, 6, et ensuite on repart comme tout à l'heure, donc 2 fois 3 blocs, ensuite 3, et ensuite 4, et enfin, ah, j'en ai plus, et enfin une grande ligne pour, voilà, symboliser la longueur. Voilà, allez, hop, voilà, c'est bon. Donc je vais faire de l'autre côté, puisqu'il y a la partie qui n'y a pas pour les escaliers. Donc on va faire exactement la même chose, hein, ça ne va pas changer. Donc on va faire 4, voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, voilà, je savais que j'en avais oublié un. 3, ensuite c'est 2 fois 3. Alors non, là c'est pas 2 fois 3, c'est 2 et 1. Voilà, donc maintenant on va faire une genre de ligne droite, mais là, sauf que là on va faire 2. 2, pardon. Ensuite, ça va être 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, voilà, jusqu'aux briques. Ceci est fait, je vais juste augmenter. Non, moi, je me suis planté de touche. D'un bloc. Enfin, j'ai surélevé la vigie. Voilà, pour. Hop, voilà, c'est bon. Le soleil va se coucher. Donc pour remplir, voilà, avec les blocs. Donc ça sera bien sûr fait avant l'ultime épisode. Enfin, le temps que je prépare la map et tout. Donc voilà, ça sera dans quelques semaines. Voilà, et on fera ça plus tard. Bien. Suite à ça, il faut juste faire deux épaisseurs. Ouais, on va faire deux épaisseurs. Voilà. Tac. Voilà. J'ai plus de bloc. Voilà.
C'est bon. Voilà, ça c'est fait. Et non, je vais pas en mettre un là-bas. Quoique, non. Non, je vais pas en mettre. Donc, ça c'est fait. Alors, comment je vais me débrouiller? Je vais faire là. Alors, oui. Il y a. Hop, je vais. Voilà, faire ça là. Alors, il y a bien sûr un petit bloc. Si vous êtes sur un petit fort, un petit bloc supérieur. Donc, je vais juste me mettre un petit peu loin pour bien compter. Alors, donc là, je vois qu'il y en a deux. Je suis en 1.19.2, donc j'ai pas encore Optifine, donc ça va être très difficile. Je vais me mettre là. 1, 2, voilà. Et ici, ça devrait être bon. Et là, on va faire un petit carré de 2 sur 2. Voilà, comme ceci. Voilà, il sert bien sûr dans les 4 coins. Et là, on va compter 9. Donc 2, 4, 6, attendez. 2. 4, 6, 8, 9. Et là, hop, on va faire une de 4. Et là, on va prolonger ça. Voilà. Hop, et on va faire ici. Voilà, parfait. Ah non. Ah non, je me suis planté, c'était ici qu'il fallait le mettre. Voilà. Voilà. On règle la petite bourde que je viens de faire. Voilà. Ça, on va laisser. Et donc, là, je vais en laisser deux. Juste après ça. Donc, un, deux. Et là, on va faire quatre. Enfin, comme tout à l'heure, hein, trois. Voilà. Deux. Oui. Deux et un bloc. Donc, maintenant, pour. Non, bah, d'abord je vais faire la ligne droite, donc ça va être 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Donc voilà, ça va pas changer pour les 4, enfin pour les 6 autres. Hop. Ouais, 1, 2, voilà. Voilà, c'est bon. Quoique, non, là je vais faire 3 fois 2. Ouais, je vais faire 3 fois 2. Hop, non, on va changer. Ouais, non, là je me suis planté là. Ah, ça commence, ça commence, ça commence. Tiens, donc on est à 2, 1, 2, 2, 1, 2. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, pour bien savoir si je suis bien accordé, on va compter. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Non, donc là, on est trop, trop bas. Vous savez quoi? Je vais prendre un autre bloc. Est-ce que j'aurais... Si tiens, des dalles. Voilà. Hop. Donc là, on est à 2, 2, 2, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, 1, 2. Donc du coup, il faut que... Aïe, 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 ça me bloque là. Donc ça voudrait dire que... Donc, 1, alors attendez, 2. Donc ça devrait partir par là. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, on va faire une suite ici, une ligne de 3. Tac. Et là, une ligne de 4. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 6, 8 blocs d'espace. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah, ouais, non, non, c'est bien ça. C'est bien ça, je me suis trompé. C'est 8. Donc,
Donc on va casser ça. Voilà là. Et cela voudrait donc dire qu'il faut que j'avance. Ouais, il faut que j'avance ceci. Ouais, il faut que j'avance ceci. Et puis on se retrouve juste après parce que là je suis en train de me compliquer la tête là. Allez, à tout de suite. Bien. Voilà. Oula, le vilain. Donc je viens de régler tout ça. J'ai donc déplacé les escaliers pour monter ici. Maintenant on va faire là. Donc on va prendre ces deux blocs juste avant la diagonale. À droite, on va faire trois blocs. 1, 2, 3. Et ensuite, on va faire 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Voilà, hop, 1. Ouais, 2. Parce que en même temps, là, je suis en train de regarder mon plan, mais on va faire simple. Voilà, c'est parfait en plus. Ça rentre bien. Donc aussi... Oh, pardon. Aussi, il faut faire une deuxième épaisseur. J'ai un petit peu fatigué, puisqu'il est très tard. En plus, je tourne juste après le 14e épisode, 15e, je sais plus, le dernier quoi. Donc voilà. Alors, on va faire exactement la même chose ici. Donc là, ouais, là, on va faire 3. Ensuite, ouais, c'est ça, 3. Donc 2, 2, 1, 1. Voilà, la souris ne marche plus. Yeah. Et voilà, ça rentre super bien. Du coup. On va faire la deuxième épaisseur. Tac. Hein. Tac. Hop. Hop. Et là, on va boucher ça parce que ça fait pas très beau. Bien. Ceci est fait. Je vais aller me coucher, mais pas tout de suite. Je voudrais juste faire ça. Donc hop, on va laisser deux extérieurs pour faire ensuite. Voilà, comme ceci. Vous faites exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec le petit carré 2. De 2. Hop, je vais me coucher parce qu'il va y avoir du monde. Allez, hop. J'espère qu'on va pas me péter dessus. Ah. Bien. J'attends qu'il meure lui. Parce qu'il s'approche trop de moi là. Bonjour. Attendez. Excusez-moi, vous pouvez mourir. Ah merci. Voilà, c'était pas trop demandé. Voilà, donc on va laisser. 4. Alors attendez, il faut que je casse. Parce que c'est pas bon. Faut que j'en laisse 2. Voilà. Donc là j'ai essayé donc il faut que qu'on déplace, ouais, il faut vraiment que ça aille là, donc il faut qu'on déplace le cube de à gauche. Voilà, alors là c'est pas du tout un tuto, c'est moi qui suis en train de m'en mêler parce que mon plan il est pas un petit peu foireux, mais mince, je me suis planté touche, mais c'est trop compliqué, j'ai du mal à voir, donc voilà. Là on va remettre ça, et puis de toute façon je pense que vous avez rien fait, voilà, c'est juste pour faire un fort en survie, et vous aurez la map dans le prochain et ultime épisode. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. On va retourner là-bas. Allez. Voilà. Donc là, là du coup, on va faire la ligne. Alors, est-ce que je fais la ligne ou est-ce que je fais directement ça?
Mystère, mystère. Non, je vais d'abord faire la ligne. Et puis on verra ça après. Il faut que je l'amène de l'autre côté du fort. Allez, c'est parti. Let's go! Voilà, ça c'est parfait. Hop. Ouais, et comme ça, on va pouvoir. Alors, normalement, c'est 18. Hop. Voilà. Tac. Ça. Voilà. Donc, normalement, c'est 18. Donc, on va faire ça. Donc, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et hop là. Alors, petite correction, ici c'est 18, ici c'est 19, 18 là, 19 là et 18 là-bas. Normalement, je comptais faire 18, 18, 18, mais sauf qu'à la fin, c'était 20. Donc, voilà. Là, donc, on va continuer, on va faire le tour. Donc, à 3, 2, 2, 2, une diagonale de 6. Voilà, on change pas les vieilles habitudes. Ouais, faut que je redoute. Voilà. Bien évidemment, ce lag de zoom qui commence à me casser les bonbons. Hop là, on va faire 2, 2, 2, 3, 4. Et là, c'est une ligne de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On regarde si c'est bien. Oui, c'est bien droit. Voilà. On va faire 4. Voilà. 3, 2, 2, 2. Non, pas 2, 2, 2. Non, puisqu'ici, il n'y a pas la plateforme. Donc, on va casser. Hop, ces deux-là. Et celui-là. Voilà. Donc, 1. Voilà, comme ça. On va faire comme tout à l'heure. Donc, 2, 2, 1, 2, 2. Hein, je sens que je me suis planté parce que je commençais à être très fatigué. Mais de toute façon, en off, je vais régler ça. Il n'y a pas de souci. Hop, on va faire la deuxième épaisseur. Voilà. Ça, je pense que ça s'entend. Parce que je parle pas beaucoup. Et je me trompe très souvent. Voilà. Alors ici, on va bien sûr, hop, séparer les deux côtés. Voilà. Hop. Et en plus, je sens que cet épisode va être très long. Donc ici, on va faire comme tout à l'heure. Donc là, on va faire 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Voilà. Hop. Ah mince, j'ai plus rien. Ok. Voilà. Tac. Ouais, donc hop, au milieu. Voilà. Hop. Et je pense que ouais, je pense que je vais faire une petite pause donc demain demain dans l'après-midi je tournerai peut-être le reste. Donc là, hop, je vais donc accorder ça au mur et on se retrouve juste après. Bon, allez, c'est parti, nous allons faire la petite, enfin le petit plateau pour l'hélicoptère. Alors, donc déjà pour commencer, on va prendre ceci. Oh, le soleil va se coucher. Et je vais donc casser les deux extrémités, enfin les deux, ouais, les deux lignes.
Hop. Voilà, parfait. On va faire de l'autre côté. Et je vais bien faire le tour. Voilà. Là, on commence. Hop. Allez, c'est parti. Et on va creuser le mur de briques une seule fois. Hop. Voilà. Parce que normalement, si je vois bien sur mes plans et si c'est vraiment exactement la même pour le fort, ça doit être entrer un petit peu dans le mur. Ah. Allez, 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 c'est long, c'est long, c'est long. On est bientôt arrivé. Voilà. Hop. Et donc, je vais faire le tour. Et il faudrait que je laisse voilà, un bloc pour l'escalier qui est vers qui est là, enfin qui est de la direction de la largeur et ici direction de la longueur du fort. Donc voilà, hop, je vais essayer 3. Voilà, comme ceci. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Là. Parfait. Hop. Ensuite, je vais déjà boucher ça parce que ça va me déranger un petit peu pour la suite. Voilà. Et là, on va faire 3 de hauteur. Oh là là, j'ai plus rien. Hop là, voilà, on est reparti. Et après, on va faire bien sûr le petit H. Et après ça, on aura fini et on passera à la vigie. Donc, voilà, je vais en faire deux. Parce qu'on va faire un double escalier. Voilà. Peut-être avant la vigie, on va faire la décor, la petite structure. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et là, normalement, voilà, on a pas, parfait, on a 4. Hop, on va prendre des blocs de quartz. Voilà. Je vais mettre là-bas pour voir si c'est bien centré. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Bah du coup, hop, on va passer là. Et on va faire du 8. Donc 2, 3, 4. Déjà, je vais faire... Ouais, non, je vais faire 8. Donc 1, hop. 1, 2, 3, 4, non, 6 déjà. Et après, on verra avec 8. 6. On va faire 1. Déjà, je vais voir si 6 est bien. Voilà. Non, j'ai pas la... Je trouve que c'est un petit peu trop petit. Je vais faire comme je l'avais dit avant, faire 8. Non, c'est pas grave. Hop, voilà, on va rajouter un bloc de part et d'autre. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Mince. Non, 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 c'est pas ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Non, mais non, mais c'est pas 11, c'est 8. Oh, oh l'abruti. Hop, voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, il y a un petit truc qui va pas. Normalement, c'est un rond de 8 sur 8. Là, c'est ça. Je vais laisser les blocs intérieurs pour voir ce que ça donne. On va mettre les escaliers. Alors, il faut pas que j'oublie qu'il y a bien sûr la petite plateforme.
Hop. Ouais, on va casser ça et on va mettre des escaliers à la place. Pour l'instant, on va faire la même chose là. Hop, voilà. On va mettre les escaliers. Par contre, est-ce que... Bah non, je vais pas casser ça parce que sinon je peux plus monter. Ce qui est complètement ridicule. Voilà. On va casser ça. Hein, dommage. Allez, on est reparti. On va faire le va-et-vient plusieurs fois. Voilà. Et on va pour l'instant remplir. Et bien sûr, le H sera bien centré dans le cercle. Voilà, et on est parti, on est parti. Ça va durer un petit peu long. Temps. Je vais couper cette séquence et on se retrouve juste après la finition. A tout de suite. Bien, ben voilà. Le petit logo est pas centré, hein. Je suis tellement dégoûté, mais bon, voilà. Le petit hélicoptère va pouvoir se poser sur le fort. La nuit tombe et on va pouvoir faire la petite structure qui est bien sûr à l'opposé de la vigie. Donc on y va. Je vais bien évidemment dormir et normalement j'ai ce qu'il y a pour là. On y va, hop, on récupère un petit peu ce qui a été spawn. Je vais faire vraiment très vite. Ah, voilà. Alors, il faut juste que je remette, voilà, mon plan. Alors, on va prendre des dalles, des escaliers et des blocs. La totale. Je vais pas en prendre énorme. Voilà, je pense que j'en ai suffisamment. Va. Et bien sûr, à la fin, pour terminer cet épisode, on va faire bien sûr la vigie. Yeah. Oula, 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 oula. Ok, alors la structure fait 10, c'est-à-dire que là on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben voilà, on va devoir casser ça. Voilà, et sera légèrement arrondi. Donc je vais déjà poser, hop, les premiers blocs ici. Donc on va faire 2. Ouais, 2. Hop. Ensuite là, on va faire un petit carré de 4. Et là, on va faire une ligne de 4 blocs. Voilà, 4. Toujours bien sûr. D'une largeur de 2, hop là on va faire une ligne de 2 et là 1, voilà parfait. Donc je vais essayer ça comme ça pour mettre les escaliers, hop comme ceci. Voilà pour que je puisse faire un petit carré. Voilà, ça c'est parfait. Hop, je vais faire comme ceci. Voilà. Donc maintenant, là, on va plus toucher. On va mettre un bloc là. Ensuite, hop, centré. Enfin, on va pas toucher. Je parle bien sûr, on pose des blocs. Donc là, on va mettre des dalles. Voilà, on va laisser un bloc plus une dalle. Là aussi. Là, on va mettre un bloc. Et enfin, pour terminer, centré, des petites dalles. Voilà. Voilà la petite structure. En revanche, le trou, il est un petit peu trop petit. Alors, je vais casser. Et je vais voir ce qui va pas. Parce que là, il y a un gros, gros problème. Bien, je vais casser celui d'en dessus. Et hop, on va poser les escaliers à l'envers. Voilà, et ici, à l'endroit. Ça va être pas carré, mais ça sera un petit peu mieux ce que j'ai fait avant. Voilà, c'est parfait. Enfin, si, c'est carré. Un petit peu arrondi, mais ça rend... Bien. Oula, le petit lag. Voilà, ça rend vraiment bien. Donc je suis plutôt content. Et bien évidemment, on va terminer avec la vigie. La vigie où elle fera 22 blocs, je crois, de hauteur. Ouais, je vais voir. Déjà
récupérer le maximum de blocs parce que là il en faut besoin. Il vous faut des dalles, des verres bleu ciel si je me trompe pas. Et donc on va pouvoir commencer. Voilà. Et c'est parti, on va y aller. Allez, la petite vigie, elle va être construite. Et donc je vais récupérer bien sûr tout ce qu'il me faut. Bien. Allez, c'est parti. Donc je vais pouvoir monter. Je vais... je vais monter juste là, c'est plus simple. Et on va monter de 22 blocs de haut. Alors, hop, 1, 2, 3, voilà, et c'est parti. Donc je pense que ça va être en accéléré, parce que ça va être vraiment très long à monter d'à 22 blocs de hauteur. Et voilà, hop, les deux derniers blocs. Et on aura atteint notre objectif de 22 blocs de hauteur. Mince. Ah non, j'ai plus rien. Ah non. Oh non. Oh punaise, il faut que je retourne au départ. Mais non, j'ai plus rien. Bon. Et voilà, c'est terminé. Hop, alors on va laisser un... comment dire, une petite plateforme supérieure. Et on va l'agrandir légèrement, la vigie. Donc hop, on va faire, voilà, comme ceci. On va faire le petit contour en plus, extérieur, voilà. Parfait. Ceci. Donc, après ça, on va bien sûr monter d'une petite hauteur. Donc je vais faire ça. Voilà, parfait. Ensuite, on va encore... là, on va faire deux blocs. Ouais, on va espacer de deux blocs. Donc, hop. Là. Un. Non, mince, c'est pas en haut. Deux. Voilà. Hop. Là, on va faire ça. 2, 3. Voilà, on va faire une diagonale de 3 pour que vous puissiez bien savoir où on est. 1, 2, 3, 4. Attendez, je ne me rappelle plus. Oui, c'est 4. 4, pardon. Voilà, hop. Donc, mince. Oh là là, je me plante de touche. Oh là là, la catastrophe. Ok. Concentration. Donc, hop, on va boucher ça, parce que ça n'a rien à voir. Merci. Donc, hop. 1, 2, 3, et bien sûr, 4. Voilà, et hop, là, on va monter de 2. Ensuite, on va faire une ligne de 2. 2, voilà, 4, 6. 5, 6, voilà. Une diagonale de 4. Et ainsi de suite, jusqu'à faire le petit cercle. Voilà. Hop, voilà, c'est parfait. Hop, et on va finir le petit cercle. Et bien sûr, on va monter encore d'une hauteur pour faire le dernier cercle. Et voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va encore espacer d'un bloc. Voilà. Hop, on va faire donc toujours 6. Et suite à ça, on va faire 2. Donc, une ligne de 2. Voilà. Et ensuite, on va faire 1, 2. 1, 2. Voilà, hop. Là, on va laisser 2 de largeur. Et voilà. Comme ça, au moins, ça sera un beau cercle. Et ça sera vraiment une énorme vigie. On peut faire une chambre. On peut mettre aussi une petite cuisine, par-ci, par-là, avec un petit salon. On peut faire vraiment comme une maison. Je vais peut-être habiter là-dedans pour la suite des tutos.
Puisque bien sûr, je ne vais pas m'arrêter à Fort Boyard. Hein. Voilà, il y aura plusieurs tutos à la suite. Vous pouvez bien sûr me donner des idées. Alors, pas des missions non plus. Je pensais directement à Hello Neighbor, qui sera peut-être le prochain tuto. Hop, voilà. Alors, le Hello Neighbor, je ne sais pas combien. On verra après. Voilà, donc ça, c'est terminé. J'ai ma surface de la vigie. Et maintenant, je vais prendre les verres bleu ciel, bleu clair, comme vous voulez. Voilà, c'est la même couleur, on va dire. Donc, hop. Voilà, on enlève tout ça, je n'en ai presque plus besoin. Voilà. Et suite à ça, on va faire une hauteur qui est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blocs. Voilà. Et bien sûr, tout autour. Et voilà, donc comme pour la hauteur de 22, ça va être long. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le mettre en partie accélérée. Donc on se retrouve bah, bien tout de suite. Ah, tout de suite. Et voilà les derniers blocs. Et j'en ai plus comme d'habitude. Allez, c'est parti, le grand plongeon. Et hop là, voilà. Allez. On est reparti. Alors, en vrai, ça rend super bien. Hein. Ça rend super bien. Bon, bah, je vais reprendre. Alors, je vais pas me faire chier à remonter par les échelles. Je vais faire l'escalier en même temps. Donc, l'escalier sera de largeur et on va commencer directement par la porte d'entrée. Donc, 1, 2. Et les coins, eh ben, ça sera en triangle. Voilà. Et puis on va monter en dalle. Voilà, juste les informations nécessaires. Voilà, et puis on va monter tout en haut de la vigie sans bien évidemment tomber. Ça, ce sera mon challenge. Allez, hop, voilà, ça monte tranquillement. Mais comme ça, au moins, on évite de tomber. Et plus que quelques petites dalles, voilà, et c'est parfait. Alors, c'est pas normal, mais ouais, non, c'est pas du tout normal que j'atterrisse là. Je me suis peut-être trompé sur une dalle, non, c'est bien comme ça. Donc, voilà, oula, oula, oh là 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 là, j'en ai marre de ces bugs. Donc, voilà, là, l'escalier. De la vigie, donc ça va être comme ça. Peut-être je vais un petit peu l'arrondir et mais je vais même régler parce que c'est pas normal que ça puisse finir comme ceci. J'ai peut-être augmenté un petit peu trop la vigie, mais je vais voir après cette vidéo. Donc hop, je vais prendre les échelles pour que je puisse terminer la hauteur finale des verres. Des verres ou des... Non, ce sont des verres. Les vitres, c'est. C'est plat. Ouais, j'en ai largement assez. J'en ai trop fait, je pense. Ah non, quoique. Ouais, non, j'en ai. Ah non. Attendez. Ouais, non, j'en ai trop fait, je pense. Ouais, bon, ça va. De quelques verres. Bon, ben voilà. On a terminé et donc, eh bien, on va pouvoir faire le petit toit de la vigie. Donc, on va commencer bien sûr à mettre des dalles. Hop, ouais, je vais mettre que des dalles. Je sais, je pense avoir besoin un petit peu de blocs. Alors, parce que là, j'ai pris une petite photo du fort que j'ai pour faire l'émission. Hop, on va faire le petit contour. Alors, je m'en excuse, juste après j'ai vu que j'ai laissé un petit espace de la vigie pour bien placer les barrières. Donc, sur ceci, je vais me planter, mais ne vous inquiétez pas, j'ai réglé ben, juste après le tournage. Voilà. Voilà, alors j'ai fini ça, on va, hop, mince, on va faire une deuxième largeur. Attends, je vais casser ça. Je sens que j'en fous partout. Hop. Voilà. On va faire bien sûr le contour.
On va faire comme ça, on va faire deux. Ouais, on va faire deux. Un. Deux. Hop. Voilà. Hop, je vais rajouter ceci. Voilà. Tac. Voilà. C'est long en effet, mais au moins je ne vais pas tomber. Voilà. Puis comme ça au moins ça sera propre. Et voilà pour terminer. Ensuite, on va bien augmenter un petit peu hein, pour faire un petit toit conique. Pour la première fois, je me suis souvenu de ce mot. en revanche, il y a un petit problème, c'est que je vais rajouter ça. Ouais, on va faire... Je vais rajouter deux petites dalles pour faire une petite diagonale de 4. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir voilà, augmenter d'un demi-bloc. Et on va faire ça comme ceci, puisque... Ça sera 2 de largeur là aussi, mais je ne sais pas si je vais faire ça tout de suite. Hop, on va faire le petit contour. Là. Voilà, je vais le mettre un petit peu plus loin pour que je puisse venir. Alors, l'échelle que je vois ne servira plus à rien. Parce qu'une fois fermé, ça sera terminé. Donc je mettrai un spectateur. Peut-être je me téléporterai dans la vigie. On verra ça. Pour l'instant, ce n'est pas terminé. Voilà. Alors, c'est le soleil qui commence à se coucher. Je vois la lune se lever. J'espère que ça ne va pas spawn. Et voilà. Alors, je vais casser ça. Je vais faire juste un bloc. Un bloc. Alors, c'est un bloc. Hop. Et on va faire ça. On va faire deux de largeur. Tout de suite. En montant. Voilà. Donc. Je vais juste me cacher parce que j'ai pas envie. Qu'on me tire dessus. Alors, on va monter. Hop, encore d'une dalle supérieure. Hop. C'est juste encore planté de touches parce que j'ai inversé les touches de souris. Donc, je débute. Je débute au Minecraft. Non, on va enlever ça. Ouais, on va vraiment faire la deuxième épaisseur. Voilà. Puis après, on fera un épaisseur et on finira avec le petit carré qui nous restera normalement, si tout se passe bien. Voilà. Normalement, ça devrait pas se taper maintenant sur le toit. Peut-être à l'intérieur. Peut-être qu'ils voudront se suicider. Parce qu'il y a un gros trou, mais bon, il y a les escaliers. J'espère qu'ils sont un peu intelligents, les mobs. Donc voilà, ouais, on va faire ça comme ça. Ensuite, on va... Alors, attendez. Je vais casser ça, ouais. Hop. Ah, c'est le bordel parce que, voilà, je me suis un petit peu trompé. Non. Hop, je vais laisser comme ça. Hop, voilà. Une ligne de deux, une ligne de deux. Hop. Ah, j'aime pas trop. Je vais faire comme ça. J'aime pas trop parce que les. Il n'y a pas une diagonale, donc c'est pas vraiment rond. Hop. Ouais, je vais casser ça. Je sais pas pourquoi j'ai cassé ça, mais. Ok. Hop. Voilà. Et voilà, donc là normalement ça devrait être bon. Là on va augmenter bien sûr d'une demi-dalle. Donc là je ferai. Je vais casser ça. Ça va pas. Non, il faut que je mette un. Mais non, c'est après. Non, c'est bien ça. Je vais augmenter encore d'une demi-dalle
On va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver, enfin, plutôt moi. Hop, voilà. Ah non, je suis trop loin, mince. Voilà, on verra ça comme ça. Voilà, hop. Aïe! Oh, je suis en train de faire un truc, là. Voilà. Je vais me mettre là. Normalement, il ne devait plus... Je sens qu'il va me toucher encore, mais bon... J'ai presque fini, monsieur. Monsieur ou madame, j'ai presque fini, voilà. Je vais finir en pleine nuit. Ça va être super sympa. Voilà. Hop. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à terminer en fermant. Ouais, comme ça. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5... non, pourquoi là? Mais pourquoi là? Mais je t'ai pas demandé de le mettre là. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va faire ça. Et là, on va pouvoir... Hop! Je vais casser ça, parce que ça ne va pas. Normalement, il devrait rester... Pas de... Comment dire? De diagonale. Donc voilà, on va fermer ça. Et puis, bah voilà, ça sera la fin de ce dernier épisode. Alors c'est vrai, c'était un petit peu brouillon du côté de la vigie, parce que je sens que j'ai fait une petite bourde, mais bien évidemment je réglerai ça en hors caméra. Voilà, parce que j'ai bien sûr tous les droits, hein. Je suis bien en créatif, hein. Il n'y a pas que de la survie. Enfin, il y a plus de 80% de survie que de 20% en créa, parce que pour faire monter le sport. Voilà, et donc c'est terminé. Voilà, la vigie est terminée et le fort est fini. Alors, il n'est pas fini à 100%, hein, on peut voir quelques petits oublis, mais voilà, c'était le dernier épisode de Tuto Survival. Alors, je sais pas si je vais tomber. Non, je vais le mettre en spectateur pour tout voir. Et donc, voilà. C'est terminé, la vigie, le fort, oh, c'est magnifique. Et vous avez un fort pas réaliste, mais quand même un fort qui ressemble un petit peu au vrai. Donc non, franchement, je suis très content de l'avoir terminé. Hop, je vais le mettre un petit peu plus loin pour voilà, avoir une petite vision du fort. Voilà. Quoi vous dire, je vais bien évidemment terminer le reste. Juste après, donc voilà, on peut voir un petit peu le chargement, mais bien sûr la structure qui est magnifique. Voilà, et l'intérieur, les items. Voilà. Je me suis vraiment fait chier à faire tout ça. Ça a duré vraiment très longtemps avant que ce soit sorti. La salle du trésor avec le Goofy, bien évidemment, qui est prête. Et donc voilà, vous l'avez tous attendu. La map qui va pas tout d'abord sortir, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a encore, comme je l'avais dit précédemment, encore les lianes qui doivent descendre. Et bien évidemment, je vais y arriver, bien évidemment, les finitions. Je vais pas trop me stresser, pas trop être speed. Voilà, donc je vais, voilà, on va apparaître là, sachant qu'il y a du monde qui arrive, donc je vais mettre des blocs. J'ai, mince, voilà, hop là, là c'est mieux. Voilà, je vais pas... Ça ne vient pas? Ok, merci. Je pourrais finir comme ça, messieurs. Donc voilà, et eh bien écoutez, il y a des gens qui m'aiment bien, donc ils viennent me voir, mais bon, c'est pas ça le principe de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode, et on va donc se retrouver pour l'ultime épisode, où là, et eh bien la map sera en téléchargement, et là j'aurai fini... j'aurais fini le fort. Donc merci à tous, c'était Lolo Boyard. Game over.